Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends. Oui, on vous entend bien. Alors moi, pour l'instant, je n'entends personne. Alors attendez, je vais voir si c'est une question de volume à régler. Vous m'entendez bien? Ben moi, je ne vous entends pas. Est-ce que quelqu'un peut parler? Oui, là je parle, vous m'entendez? Ah, ça y est. Oui, là, je m'entends. Bonjour. Ouais. Bonjour. 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 Voilà, elle Bonjour. est fermée. Je me permets juste Bonjour. de dire que pour l'instant, je suis avec deux personnes et on est en train de manger. Donc, Pas tout de suite. on masque un peu notre caméra, mais on vous rejoint avec la caméra dans pas longtemps, Ok. hein. Alors, il Bonjour. faut juste que j'envoie le lien. Voilà. Bonjour Madame Bousco. Oui, Bonjour madame, vous m'entendez? très Ah, très bien. bien, ok, merci. Bonjour madame. Alors, je suis dans un café, j'ai pas pu m'isoler au centre de formation, donc je suis désolée des conditions, voilà. Mais Merci. c'est relativement calme, ça devrait aller. Et je vais couper mon micro. Ok. Voilà, on a encore attendu un petit peu. 10h59. Voilà, Claire. Bonjour, Claire. Tu entends? C'est bon, je t'entends. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux mettre ton micro un petit peu plus près de toi ou pour qu'on t'entende Alors, tu mieux? m'entends? Hop. Est-ce que là vous m'entendez? Oui, très Ok, bien. super. Bonjour Isabelle, bonjour Frédéric, bonjour à toutes. Bonjour Amandine. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Claire. Bonjour Bonjour. Isabelle. Alors, on va se donner encore une minute et puis on va démarrer. Je vais partager mon écran déjà, voir si ça fonctionne bien. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. L'écran partagé. Ah, super. Ah, si je passe, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Oui. Je suis en voiture, donc à mes... Ok. Faites attention en voiture, du coup, mais. Oui. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour à toutes.
Tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on va peut-être démarrer. Si vous avez la possibilité donc de mettre votre caméra. Merci, Madame Pellier. Vous l'avez Bonjour, Valérie. mise. Bonjour. Voilà, il y avait une trentaine d'inscrits, mais pour pas prendre de retard, on va quand même commencer. Donc, bonjour à toutes et tous et merci d'avoir pris de votre temps pour être là avec nous ce midi, enfin plutôt ce 13h. Donc, on va commencer par peut-être se présenter et le webinaire qu'on vous propose donc aujourd'hui, c'est de faire l'expérience, voilà, de ce qui se passe durant la médiation, d'essayer de vous la rendre la plus concrète possible, la plus expérientielle possible. Et donc, voilà, on va vous proposer quelque chose avec Claire. Peut-être d'abord, on se présente. Ben, Claire, si tu veux, tu peux commencer. Oui, bonjour, Claire Bouteloup, je suis médiatrice et j'interviens principalement dans le domaine du travail et sur le champ du voisinage administratif, c'est-à-dire qu'il y a une collectivité territoriale qui est dans l'affaire. Et par ailleurs, j'ai une activité de consultante, j'accompagne notamment des dynamiques de concertation où j'utilise mon savoir-faire de médiatrice pour un dialogue constructif. Voilà. Merci Claire. Et donc moi, bah voilà, je suis une ancienne de Sciences Po et de Paris Dauphine aussi également. Et donc je viens du monde de l'entreprise. J'ai d'abord travaillé quelques années dans le conseil en ressources humaines et en organisation. Puis ensuite, je suis rentrée dans un grand groupe public, en l'occurrence à la SNCF, où j'ai tenu pendant 24 ans des postes de direction opérationnelle et fonctionnelle. Dans le domaine commercial et dans la fonction RH aussi, où j'ai été DRH au sein de la branche SNCF Mobilité. Et puis, concernant la médiation, j'ai d'abord été médiatrice en fait, au sein du groupe SNCF. Et puis, il y a 8 ans, j'ai quitté la SNCF et je me suis installée voilà, dans mon cabinet qui s'appelle ECME, Espace, Conflit et Médiation en Entreprise. Et donc, je travaille en tant que médiatrice et en tant que IPRP, hein, intervenante en prévention des risques professionnels. Donc, je travaille dans tout ce qui est relations conflictuelles au travail, risques psychosociaux, souffrances au travail, dues notamment aux tensions relationnelles. Et je propose des médiations, des facilitations, des diagnostics, des formations aussi à la prévention des conflits ou à la médiation, et également des enquêtes harcèlement. Et puis, par ailleurs, je fais aussi de la médiation pour les juridictions, donc ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, hein, pour des cours d'appel et tribunaux administratifs. Et puis j'enseigne dans un master de droit la médiation, puisque de plus en plus les professionnels du droit viennent aussi à la médiation et aux modes amiables. Et je suis l'ancienne présidente du réseau des médiateurs en entreprise, qui vous propose donc cette série de webinaires cette semaine. Et c'est pour ça que je salue mes collègues. Il y a un certain nombre de médiateurs du RME qui sont présents. Et merci à vous aussi d'être là. Et donc, peut-être oui, avant de commencer, donc, je m'adresse pas du coup aux médiateurs du RME, mais aux autres personnes. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce qu'est la médiation? Est-ce que vous allez complètement découvrir aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez peut-être lever la petite main là si vous connaissez déjà un petit peu? Nathalie, est-ce que tu peux enlever le partage d'écran, qu'on voit tout le monde un peu mieux, qu'on voit les mains levées, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Top. Attends, comment je fais? Bon, vous Voilà. voyez peut-être mieux les uns les autres. Ok. Annelise a trouvé le truc. Il faut mettre la Oui. petite main de Daviso, c'est encore mieux. C'est moins fatigant que de rester comme ça. Oui. Donc, Annelise, Anne-Claire, vous connaissez? Bah, les médiateurs du RME, vous pouvez lever la main aussi, comme ça on vous identifie comme connaissant aussi la médiation. Catherine aussi connaît. D'accord, donc il y a quand même quelques personnes déjà qui connaissent. Et puis Oui, d'autres qui connaissent. moi je connais, excusez-moi, je connais, mais je n'arrive pas à trouver la petite main. Enfin, j'ai une petite main, je clique, mais ça ne marche pas. Mais enfin, je connais. Je suis en formation Voilà, d'éducation merci. actuellement. Voilà. Ok. Ça marche. Alors, donc, je repartage l'écran. Voilà.
Et nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Peut-être juste avant, vous informer, si vous ne le savez pas, que c'est la semaine de la médiation actuellement et que depuis samedi, donc les médiateurs du RME vous proposent une série de webinaires qui, évidemment, tous parlent de la médiation avec un angle un peu différent selon les jours. Donc samedi, c'était plutôt destiné aux acteurs de la fonction RH. Aujourd'hui, c'est donc un exemple concret de médiation. Mercredi, c'est la médiation et le regard des organisations syndicales vis-à-vis de la médiation. Le 17, Sandra Galisso vous parlera de comment transformer les risques de litige en opportunités, dont avec la médiation. Et puis, le 18 octobre, ce sera la médiation sous un angle un petit peu plus systémique. Et voilà. Alors, aujourd'hui, j'aime bien commencer par ces citations de Marshall Rosenberg, hein, que vous connaissez sans doute, qui était un psychologue, un grand psychologue américain, médiateur aussi, et aussi le pionnier de la communication non violente, et qui dit, en gros, dans un conflit, il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations, et qui dit aussi que tout conflit est l'expression tragique d'un besoin non satisfait. Voilà. Et cette notion de besoin, elle est essentielle en médiation. Alors, peut-être Claire, pour rappeler un petit peu en quelques mots de quoi on va parler. Oui, et je voulais aussi vous dire, juste avant qu'on démarre sur le fond, on a prévu avec Nathalie de vous présenter quelques éléments sur les principes, les objectifs, comment ça marche. On va aller assez vite parce que vous avez d'autres webinaires et parce qu'il n'y a qu'une heure et parce que notre priorité, c'est deux choses. Pouvoir échanger avec vous et répondre à vos questions et que ceux et celles qui connaissent déjà puissent aussi peut-être contribuer, témoigner en fonction de ce que vous avez envie de dire. Et deuxième, c'est que justement, avec Nathalie, on va vous présenter un exemple très concret. Donc vraiment, je vais passer vite et Nathalie risque de passer vite aussi juste après. Et vous inquiétez pas, vous pouvez nous questionner si c'est pas assez clair. Donc la médiation, effectivement, je reprends les mots de Nathalie. Il s'agit de besoin, il s'agit d'interprétation. En fait, on va créer un espace de dialogue qui va être sécurisé pour les personnes. Ça veut dire quoi sécuriser? Ça veut dire qu'en fait, on ouvre des temps où le conflit est comme en pause, en fait, et où les personnes sont pleinement écoutées par un médiateur quand elles sont en individuel. Et là, on prend tout le temps qu'il faut pour que les personnes vident leur sac et prennent du recul sur leur conflit, sur leurs difficultés. Et on va aller justement creuser doucement autour des besoins pour aller jusqu'aux besoins, en tout cas. Et quand on les met ensemble, les personnes sont dans un espace pareil où il y a une forme de régulation via le médiateur qui va à la fois être dans cette écoute pleine et entière de chaque personne, et à la fois il y a des règles de fonctionnement. Et quand les personnes s'engagent dans une médiation, elles respectent ces règles-là, dont la première est le respect en fait de l'autre personne et de la parole de l'autre personne. Donc on peut s'écouter sans être d'accord, et on peut essayer de comprendre l'autre sans être d'accord avec ce qu'elle dit. Et donc la régulation est assurée aussi par le médiateur, évidemment, qui est à la fois dans une écoute pleine et entière, mais à la fois très vigilant au respect du cadre. Donc le respect du cadre, vous allez avoir des éléments juste après, donc je ne dis pas tout tout de suite. Mais ce qui est très important à ce stade, c'est que le médiateur, là-dedans, pour que ça fonctionne, il a vraiment une posture de tiers, indépendant, neutre et impartial. Qu'est-ce que ça veut dire? Et notamment la différence entre neutre et impartial. Neutre, c'est que le médiateur n'a pas d'avis sur la situation. Il ne va pas dire ce qu'il faut faire, il ne va pas dire ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il aurait fait, rien du tout. Et donc, il n'a rien à dire sur la situation elle-même et sa résolution. Et impartial, ça veut dire qu'il n'est ni pour l'un ni pour l'autre. Il est en fait multipartial quelque part, il est pour que les deux puissent écouter et trouver peut-être une solution qui leur convienne à eux deux, qui est leur solution à eux. Et il est indépendant pour faire tout ça, en fait. C'est important qu'il soit indépendant. Ça veut dire qu'il ne gagne rien ou il ne perd rien à la résolution de cette situation, déjà, en fait. Il ne connaît pas ces personnes-là. Avant, il n'a pas d'attache et il ne risque pas d'être influencé. Donc c'est vraiment des choses. Voilà, je dis avec des mots très simples parce qu'en fait, c'est le fond qui est important. Et puis, ce qui est important aussi, c'est la confidentialité.
C'est-à-dire que le processus de médiation est un processus confidentiel. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que à aucun moment on ne dévoile, nous, en tant que médiateur, ce qui se passe, que ce soit dans les entretiens individuels avec les personnes ou dans la rencontre collective. On serait d'ailleurs passible, hein, de poursuites si on le faisait. C'est un peu comme le secret professionnel des médecins ou des avocats, donc la confidentialité. Et ça veut dire aussi la confidentialité qu'on ne parle pas au nom des personnes. Si elles acceptent de se rencontrer dans cet espace de dialogue, on ne leur dira pas, bah, vous rappelez quand vous nous avez parlé de ça, ce serait bien d'en parler maintenant. Voilà, on n'est pas là, on n'est pas les porte-parole non plus des personnes. C'est ça aussi la confidentialité. Et la confidentialité engage aussi les personnes quand elles se rencontrent. En médiation, de ne pas dire, enfin de ne pas faire part à l'extérieur de ce qu'elles ont échangé, sauf si elles décident ensemble d'en dire quelque chose. Et on prend toujours un temps en fin de médiation pour voir ce que les personnes souhaitent déconfidentialiser et à qui. Voilà. Et autre élément fondamental dans la médiation, c'est que les personnes ne sont pas convoquées, n'établissent pas un ordre du jour en tant que médiateur. Il faut que elles soient engagées, c'est-à-dire que elles décident, voilà, librement, volontairement, que peut-être que quelque chose est possible en se rencontrant et que peut-être ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Et les médiations qui fonctionnent le mieux sont les médiations dans lesquelles il y a ce vrai, alors désir est un mot un peu fort, mais on pourrait dire ce vrai désir des personnes de se parler pour essayer de tourner la page, de voir comment elles en sont arrivées là, de dire chacune ce qui est important pour elles, d'entendre ce qui est important pour l'autre, hein, parce que l'espace de médiation, c'est à la fois d'écouter et de parler, c'est un espace de dialogue, mais c'est aussi un espace d'écoute. Et puis, la médiation peut être conventionnelle, c'est-à-dire décidée par les personnes elles-mêmes ou par un DRH ou par un chef d'entreprise ou un manager voilà, dans une organisation de travail. Et elle peut être aussi juridictionnelle, donc en juridiction, sous forme d'ordonnance, enfin ordonnée par un juge, voilà, dans le cadre d'un litige au tribunal. Peut-être Voilà. maintenant pour C'est OK enfin, pour vous? Oui, Claire. pardon, je voulais aussi compléter parce qu'il y a peut-être un truc qu'on a tous en tête quand on ne connaît pas forcément la médiation. C'est la médiation, on met les deux personnes ensemble dans une pièce une fois, puis c'est OK, quoi. Et en fait, non. Il y a quand même tout un processus dans la prise de contact avec les personnes et dans l'ordre des étapes. Donc, on va vous les présenter sur l'exemple concret, mais déjà, il faut sortir de sa tête que en les mettant direct ensemble, on fait de la médiation. C'est pas complètement ça. Et se rappeler aussi que ça peut être deux personnes, mais ça peut aussi être trois, ça peut être quatre, ça peut être au sein d'une équipe, ça peut être entre des équipes, voilà. Ça peut être inter-individuel ou collectif. Et là, la situation qu'on va vous présenter, c'est une situation inter-individuelle, donc qui se déroule entre une directrice d'entité et ça, et sa N-1, qui est manager d'un des services de son entité. Et toutes les deux, elles éprouvent des difficultés de communication, de coopération. Ça se dégrade, leur relation, hein, lentement. Elles se parlent de moins en moins, elles s'évitent. Il n'y a pas vraiment de fait générateur. Souvent, dans les conflits, dans les médiations, il y a eu quelque chose qui a déclenché le jour où tu m'as envoyé tel mail, la fois où la photocopieuse, tu m'as dit telle chose. Voilà. Là, il n'y a pas de fait générateur, mais il y a une dégradation lente entre elles. Et le DRH donc, leur propose une médiation qu'elles acceptent. Donc, hein, elles acceptent de rentrer dans le processus de médiation. Elles ont compris la règle de confidentialité et toutes les autres règles que l'on pose dans une rencontre en médiation, qui sont des règles de respect, hein, dans la façon de se parler, dans la façon de s'écouter. Et donc, comme vient de dire Claire, il y a d'abord les entretiens individuels préparatoires, qui sont destinés à, comme leur nom l'indique, préparer la rencontre commune et préparer notamment ce qu'elles vont pouvoir y amener, ce qu'elles vont avoir à y dire et ce qu'elles vont être prêtes aussi à y entendre, à écouter. Et la situation qu'on va vous jouer un petit peu avec Claire est évidemment complètement anonymisée, hein, de par cette obligation de confidentialité que j'évoquais juste avant. Alors, de plus en plus concrètement, moi je vais jouer le rôle de la directrice d'entité qui s'appelle Nathalie, et puis Claire va jouer le rôle de la manager qui s'appelle Claire. Toujours OK, Claire? Ou l'inverse, comme tu veux. OK. Donc, ça commence comme ça. Entretien individuel. Là, on est dans les entretiens individuels. Donc, voilà, Nathalie dit, mais moi, je suis tout le temps derrière Claire. Je suis tout le temps derrière elle. C'est plus possible. Et Claire dit dans les entretiens individuels. Ma directrice n'est jamais là pour moi. Donc, ça commence comme ça. Et puis, dans les entretiens individuels, il y a des positions, hein, qui correspondent au sommet de l'iceberg que vous voyez là.
il y a des positions, des personnes qui se manifestent très vite. Donc, par exemple, tu ne me rends pas tes rapports dans la forme et le contenu que je souhaite. C'est ce que dit la directrice d'entité vis-à-vis de Claire, et c'est ce qu'elle lui dit d'ailleurs en première intention dans la réunion plénière. Donc, Claire, tu ne me rends pas tes rapports ni dans la forme, ni dans le contenu que je souhaite. Les attentes ne sont pas claires du tout pour moi. Tu ne respectes pas les délais? Mais les délais sont impossibles. Et puis tu communiques pas avec ton équipe. Bah, ma difficulté, c'est qu'il y a des ordres et des contre-ordres en permanence. C'est compliqué. Voilà, donc ça, c'est ce que nous disent les personnes en entretien individuel, la façon dont elles nous parlent de leur relation à l'autre. Et c'est aussi ce qu'elles échangent en tout début de médiation, où on est effectivement dans des positions, dans des perceptions, dans des présupposés, souvent aussi des pré-intentions et des interprétations, et on est donc au sommet de l'iceberg. Et dans les entretiens individuels, ce qu'on creuse avec les personnes, ce qu'on identifie nous en tant que médiateur, c'est que le registre émotionnel est convoqué dans le conflit. Parce que la différence entre le désaccord et le conflit, c'est que dans le désaccord, on reste dans le registre du rationnel, et dans le conflit, qui est un désaccord qui se charge d'éléments subjectifs, affectifs, émotionnels, eh bien, dans le conflit, on bascule dans le registre émotionnel. Donc, ce que dit Nathalie, c'est qu'elle est agacée, exaspérée même. Et puis, elle est méfiante parce que les rapports sont jamais dans la forme qu'elle le demande. Elle est anxieuse aussi parce qu'elle se demande à force comment est-ce qu'elle-même va être perçue par le comité de direction quand elle ne peut pas faire une restitution telle qu'elle est attendue au départ par le comité de direction. Et puis, elle est déçue aussi par le fait que la collaboration avec Claire ne se passe pas bien. Et puis, tout ça l'exaspère et l'agace. Et ces émotions ouvrent vers des besoins. Alors évidemment, ça ne s'exprime pas comme ça dans les entretiens individuels, mais c'est ce qu'on entend chez les personnes et c'est ce qu'on valide avec elles. Nathalie a donc un besoin d'efficacité, hein, parce qu'elle veut que ça roule, hein, que son service tourne et que ce qu'elle a à faire soit fait comme ça lui est demandé. Donc elle a un besoin d'efficacité. Elle a aussi un besoin de sécurité et de tranquillité, parce que à force de recevoir des contenus qui ne sont pas dans la forme qu'elle souhaite, elle y passe énormément de temps, ça la met en difficulté, elle ne rend pas ce qu'elle doit rendre comme elle devrait le faire, donc elle a cette inquiétude en fait, qui renvoie à un besoin de cette anxiété, hein, anxieuse je disais, qui renvoie à un besoin de sécurité. Elle a un besoin d'écoute aussi, parce qu'elle ne se sent pas du tout entendue par Claire dans ce qu'elle lui demande. Et puis, elle a un besoin aussi d'exemplarité dans le sens où Claire est sa N-1 directe, manager d'une équipe, et qu'elle aurait besoin que Claire soit aussi dans la communication, dans l'information et dans le leadership auprès de son équipe. Très résumé, on vous le fait très résumé là, évidemment, parce que ça prend beaucoup plus de temps que ça. Et du Et côté de Claire, de Claire, son donc. côté, ouais, de son côté, elle est irritée par cette situation où elle se sent en permanence mise en faute, en fait. Elle est découragée à force. Elle se démotive. Elle est affaiblie. Elle a passé énormément d'énergie dans cette situation depuis que ça se dégrade. Elle est inquiète aussi. Elle est inquiète pour sa légitimité de manager. Elle est inquiète pour son poste. Si elle n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Et elle se sent humiliée en fait, comme elle se sent en faute et elle a le sentiment que sa directrice et son équipe la voient comme incompétente. Elle a un besoin de considération de ses compétences, des efforts qu'elle y met. Elle a besoin qu'on puisse lui faire confiance aussi et que sa directrice lui délègue réellement les choses. Elle a besoin de soutien. C'est pas parce qu'on délègue qu'on ne soutient pas. Et elle a vraiment besoin aussi de se sentir. De se sentir soutenue, pardon, dans son rôle de manager. Et elle a besoin, du coup, de sentir qu'elle est légitime et que les autres la considèrent légitime. Alors, dans les échanges en médiation, ça donne par exemple ça. Claire ne se sent. Enfin, du coup, je joue Claire, pardon. Je ne me sens pas soutenue dans mes efforts de reconversion et cela me décourage totalement. Bah oui, mais moi, j'ai besoin d'être rassurée sur ta capacité à produire et à tenir ce poste. Je sais bien que tu viens d'un autre service et que tu fais des efforts pour apprendre un nouveau métier. Mais j'ai besoin voilà, j'ai besoin d'être rassurée sur le fait que tu puisses y arriver. Moi, j'ai besoin de travailler dans le détail et sans précipitation pour faire un travail de qualité.
Ah oui, mais moi, je ne te demande pas de la dentelle, en fait, hein. Moi, j'ai besoin d'une production synthétique dans les délais. Je t'ai dit que c'était ça les attendus et c'est de ça dont j'ai besoin. Et moi, pour faire un travail de qualité, je te rejoins, mais j'ai besoin de soutien et d'accompagnement. Il faut que je puisse monter en compétence dans mon poste et j'ai et du fond et une équipe. Oui, mais il faudrait que aussi tu puisses accepter en fait que d'autres méthodes de travail sont aussi possibles et que le service d'où tu venais, qui avait une certaine méthodologie aussi dans l'instruction des dossiers, eh bien moi, ce n'est pas ce que je demande dans ce service. Et puis j'ai besoin que tu respectes le plan de charge aussi, parce que sinon moi je suis en difficulté pour faire le reporting. Moi, je n'arrive pas à répondre à tes délais. Ils sont impossibles et cela me met en grand inconfort. Oui, mais ton équipe souffre, hein, de cette situation, puis c'est chronophage pour moi. Et moi, j'ai l'impression que tu ne me reconnais pas tant que manager. Donc, comment je peux me sentir légitime et comment mon équipe peut me sentir légitime? Si tu ne me dis pas les choses, je ne peux pas les deviner. C'est difficile de te parler, hein. J'ai l'impression que tu es inaccessible. Alors, évidemment, là, on vous le fait très, très soft. Les personnes, quand elles sont en médiation, s'expriment avec de l'émotion. Ça peut être de la colère, ça peut être de l'agacement, ça peut être de la tristesse, du désarroi, ça peut être parfois de l'humiliation, de l'inquiétude. Enfin, y a des... c'est pas aussi lisse, évidemment, que ce qu'on vous le fait là dans le jeu de rôle. Et donc, quel est le matériau, en fait, de la médiation? C'est que on va passer des positions, des perceptions, des prêts d'intention, qui sont donc le sommet de l'iceberg, à ce qui vibre chez les personnes, ce qui affecte vraiment les personnes, c'est-à-dire leurs préoccupations, leurs intérêts, les valeurs qui sont percutées, les besoins qui sont bafoués. Et pour vous donner un exemple, encore autre que celui-là, une position, c'est par exemple en début de médiation, tu arrives toujours en retard, voilà. La préoccupation, ça va être, moi j'ai besoin dans mon équipe que les horaires ne soient pas à la carte, hein, ça ne peut pas être, on arrive toute la matinée, on part à partir de 15h l'après-midi, j'ai besoin d'une équipe qui soit alignée sur les horaires pour fonctionner ensemble. Et le besoin derrière ça, pour le manager qui s'exprime comme ça, c'est un besoin de respect, c'est un besoin d'accomplissement de ses missions sans être empêché et sans perdre de la crédibilité en tant que manager du fait de ne pas arriver à faire respecter des horaires. Vous voyez, ça c'est pour vous illustrer. Donc il y a évidemment ce qui s'exprime en première intention, ce sont les besoins des personnes, leurs perceptions, les prêts d'intention, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce que nous, on va aller chercher et qui est le matériau de la médiation, c'est en fait ce qui est affecté. Voilà, ce qui est sous la surface de l'eau, ce qui est sous l'iceberg. Évidemment, les gens qui sont en conflit, ils ne se parlent pas comme ça. Ils ne se parlent pas de besoin à besoin. Déjà, souvent, ils ne se parlent pas. Quand ils se parlent, ça monte dans les tours. Ils ne s'écoutent pas. Et c'est vraiment dans l'espace de médiation que ce travail d'aller chercher, en fait, ce qui est important pour chacun et de le faire entendre, de le faire comprendre à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber tous d'accord, hein, mais de le faire entendre à l'autre, ce qui est important aussi. Eh bien, c'est ça qui permet le travail de médiation. Donc, en fait, on passe du registre rationnel quand on est en médiation au registre émotionnel. C'est-à-dire que on n'est pas, quand on est en médiation, on n'est pas dans le désaccord, parce que le désaccord dans les relations de travail, c'est courant, c'est tout le temps, puis à un moment, on s'explique, on tranche, ou quelqu'un tranche, on passe à autre chose, et puis c'est terminé, quoi. Le conflit, c'est un désaccord qui dure, qui devient de plus intense, qui s'installe dans la durée, et qui se charge, voilà, qui se charge d'émotionnel, ce qui fait que les capacités de raisonnement sont piégées. On ne peut plus prendre du recul en se disant, bon, bah, c'est pas grave, je passe à autre chose. On est complètement enlisé, on est embourbé et on en vient à avoir des biais cognitifs, une perception sélective notamment de la situation. Hein, le biais de confirmation, c'est un des plus puissants dans les conflits, où de toute façon, on va venir chercher toutes les informations qui viennent nous conforter dans le fait qu'on a bien raison de penser comme on pense et que l'autre est vraiment. Qu'on ne peut pas s'entendre avec l'autre, qu'il a encore fait exprès de faire ceci, qu'il a encore dit exprès cela, etc. Et ça, c'est donc quelque chose qui n'est pas dans le registre émotionnel, mais qui est dans le registre du rationnel, pardon, mais qui est dans le registre complètement émotionnel. Et donc, en médiation, ce qu'on fait, c'est qu'on ne s'intéresse pas aux faits, c'est-à-dire une médiation dont le thème serait bah, t'es toujours en retard, mais non, mais si, mais non, bah oui, mais l'autre fois, c'est parce que j'ai emmené mon enfant chez le pédiatre, oui, mais il y avait aussi vers vendredi dernier, jeudi dernier, voilà. Ça,
Nous, en médiation, ça ne nous sert à rien et on n'a pas besoin de médiateur pour ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de passer des faits aux effets, c'est-à-dire à qu'est-ce que ça fait aux personnes, le fait que, comme dans l'exemple là, les restitutions, les rapports, les attendus ne soient pas conformes à ce que la chef d'entité, la responsable d'entité demande. Qu'est-ce que ça fait à une personne de voir qu'elle n'est pas entendue dans sa demande de respect des horaires? Quels sont les effets des personnes sur les difficultés? Et voilà, donc on va vraiment de la partie visible du conflit à ce qui est profondément affecté chez les personnes. Et ce travail, on peut le faire grâce à une technicité spécifique en médiation qui est faite d'écoute, bien sûr, d'écoute active de la part des médiateurs, de reformulation de questions, de questionnements pour aller, voilà, vraiment. Je compare souvent le conflit à une plaie. Une plaie, c'est si on met juste un pansement au-dessus, ça, voilà, la plaie, elle reste ouverte, ça cicatrise pas. Ben, le travail qu'on fait en médiation, c'est qu'on explore la plaie petit à petit. C'est pas très joli comme image, mais on va la nettoyer. On va aller dans cette, enfin, explorer cette plaie pour qu'après, quand on trouve un pansement, eh bien, ça puisse cicatriser en dessous parce que la plaie aura été nettoyée. Alors, c'est un peu schématique ce que je vous dis, mais c'est l'idée. Et donc, comment ça se poursuit cette médiation entre Claire et Nathalie? Eh bien, il y a un moment où il se passe ce qu'on appelle en médiation la reconnaissance réciproque. On appelle ça aussi le point de bascule ou la catharsis. Donc, un moment, et ça prend du temps souvent, hein, eh bien, elles se sont parlé, elles se sont écouter ou entendu, en tout cas le médiateur a fait en sorte que ce que dit l'une puisse être entendu par l'autre et inversement. Et à un moment, il y a quelque chose qui se passe. Nathalie va dire à Claire, par exemple, écoute Claire, moi je t'ai choisi pour ce poste parce que tu en es capable, mais j'en viens à me décourager et donc j'en viens à me distancier à cause de ça. Mais moi, je croyais que tu m'évitais parce que tu regrettais ton choix et je me sentais d'autant plus mal. Et puis, oui, c'est toujours à toi. Et j'essaye de faire le mieux possible hein, pour être à la hauteur, mais plus j'en fais et moins j'ai l'impression que ça va. Donc plus je continue d'en faire et moins j'ai l'impression que ça te va, etc., etc. Et c'est un cercle, je n'en peux plus en fait. Je comprends alors, je comprends que ton intention c'est de travailler ton mieux avec des méthodes que tu maîtrises en fait et que c'est pas de refuser a priori de faire les choses comme je te le demande. Alors vous voyez, ça c'est juste quelques exemples, mais c'est ça qui permet une ouverture des champs, c'est-à-dire que chacune, on va se sentir comprise, on va se sentir rejointe dans ce qu'on vit, on va se sentir reconnue par l'autre dans ce qu'on vit. Et ce n'est que à partir de ce moment-là où chacune se sent rejointe que on peut passer aux étapes de médiation qui consistent à ce que les personnes vont essayer de trouver comment, ça peut être des petites pistes très concrètes, des petites pistes de solutions, c'est pas un grand soir, un grand matin nécessairement, mais en tout cas des choses qui sont pour elles aidantes pour arriver à fonctionner autrement, à collaborer autrement et à ce que voilà, la page puisse être tournée. Et cette méthodologie dont on parle, qui s'appelle la roue de Futak, vous la voyez à droite du slide. Une médiation, ça commence, alors je ne l'ai pas mis là, mais par une ouverture avec la pose d'un cadre qui est extrêmement précis pour que ce cadre soit sécurisant et protecteur pour des personnes qui sont là souvent parce qu'elles font un gros effort pour venir. C'est très difficile pour des gens en conflit de venir rencontrer l'autre. D'ailleurs, l'entretien préparatoire sert aussi à ça, hein, à voir si les conditions sont réunies, si ça fait sens, si c'est pertinent pour les personnes de venir rencontrer l'autre. Et donc, on pose ce cadre. Ensuite, on est dans la phase du quoi et du pourquoi, c'est-à-dire quels sont les alors le quoi, qu'est-ce qui se passe en première intention pour les personnes, quelles sont les thématiques, quel est l'ordre du jour finalement dont elles souhaitent parler, et puis le pourquoi. Et c'est dans le pourquoi qu'on va descendre petit à petit sur les préoccupations, sur les valeurs, sur les besoins, sur ce qui est profond, ce qui est sous l'iceberg, voilà, Le pourquoi, c'est jusqu'à pourquoi ce ça fait que mal. comment? Le pourquoi, c'est pourquoi ça fait mal, en fait. Voilà. Et puis, on arrive à cette reconnaissance réciproque qui permet ensuite, et c'est seulement quand on est arrivé à ce point de bascule-là, qui permet ensuite de trouver comment est-ce qu'on va sortir de cette situation. Et avec des tas d'idées qui peuvent fuser, qui ne sont pas forcément toutes possibles ou toutes réalistes. Et le comment finalement, c'est très concrètement. Alors, par exemple, vous avez convenu que maintenant, vous feriez un point toutes les semaines. Eh bien, ce sera quel jour, ce sera combien de temps, ce sera à quelle heure, qui déclenche, ce sera où. Voilà, le comment finalement, c'est très concrètement ce que vous avez convenu, comment vous le mettez en œuvre.
Et donc, ce qui fait médiation, dans ce qu'on vous a présenté juste avant, ce qui fait médiation, moi j'aime bien parler du chronos et du kairos. Donc le chronos, c'est ce qui se passe entre nous depuis 13 heures, c'est le temps linéaire, le temps qui s'écoule. Et le kairos, c'est l'instant décisif, c'est le moment clé, c'est l'instant T qui fait que quelque chose va être à saisir au vol, va être à attraper, parce que il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et c'est ça la reconnaissance réciproque en médiation. Donc en médiation, il y a la roue, hein, c'est le chronos, alors le temps passe, les personnes parlent, elles s'écoutent, le médiateur intervient, reformule, etc. Et à un moment, et ça, il faut savoir le saisir au vol, parce que ça peut être verbal, mais ça peut être non-verbal, ça peut être une expression, ça peut être un changement de visage, ça peut être, voilà. Il faut saisir ce moment clé, quoi, ce kairos, qui fait que il va y avoir cette compréhension réciproque. Voilà. Il va y avoir quelque chose possible pour la suite, parce que les personnes se comprenaient et se rejoignaient. Et donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que la médiation, finalement, ça revient à quoi? C'est pas se réconcilier pour la vie. Hein. Souvent, je suis amenée à expliquer ça aux personnes. Je leur dis, mais vous venez en médiation, c'est pas parce que vous allez faire toutes des compromis, des concessions, et puis repartir bras dessus, bras dessous. C'est pas du tout ça, la médiation. La médiation, c'est avant tout faire séparation d'une idée, d'une représentation que j'ai de l'autre. C'est que dans un conflit, chacun est assigné à une place par l'autre. Et faire séparation, c'est-à-dire pouvoir se libérer de cette vision que j'avais de l'autre, de cette place à laquelle j'assignais l'autre. Donc ça, c'est au sens figuré. La médiation, c'est faire séparation. Et c'est aussi parfois faire séparation au sens propre, puisqu'il y a des médiations qui aboutissent à une accélération en fait, de décision, de séparation, mais posée, comprise par les uns, par les autres, par l'un et par l'autre, par l'une et par l'autre. Et on peut s'expliquer là-dessus, et ça n'est pas vécu douloureusement, parce qu'il y a eu ce temps, voilà, ce temps d'explication par rapport à ça. Donc voilà, c'est faire séparation. Et ce qui rend possible tout ça, c'est cette notion de Carl Rogers, qui l'appelle l'empowerment, c'est-à-dire la confiance inébranlable que nous avons quand on est médiateur dans le fait que les personnes ont les ressources pour trouver ce qui est bon pour elles, pour savoir comment en sortir. On dit souvent, nous les médiateurs, on est, comme disait Claire tout à l'heure, pas dans la prise de position, on vous conseille pas, on prend pas parti parce que il y a personne mieux que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et personne ne pourra mieux exprimer que vous à hauteur de ce que vous vivez. Donc c'est cette notion-là d'empowerment, c'est un peu Carl Rogers, il prenait l'image des pommes de terre, des tubercules des pommes de terre, en disant que même quand elles manquent de lumière, même dans une cave, les tubercules, elles sont capables de pousser et de croître vers la lumière. Bah, c'est un peu le même principe, voilà, que les personnes, elles savent vers où aller pour en sortir et pour arriver à tourner la page. Est-ce que vous avez des questions à ce stade avant qu'on continue? Enlevez le micro si vous en avez. C'est OK? Pour l'instant, pour moi, c'est clair. Ok. Alors. Nathalie, je peux peut-être en profiter du coup pour dire quelque chose peut-être par rapport à la roue de Fiuta qui est peut-être en lien avec le kairos. Ah, puis il y a Anne-Claire qui voudrait intervenir aussi. En fait, sur le début de la médiation, je ne sais pas si vous avez entendu dans le dialogue, en fait, on avait tendance à le rajouter même nous-mêmes. Il y a beaucoup de oui, mais. Et chaque personne parle d'elle. Oui, mais moi, ça m'a fait ça. Et moi, ce que je veux, c'est ça. Et tatati, et tatata, c'est je. Et en fait, à un moment, effectivement, dans cette phase de reconnaissance réciproque, là, c'est comme si chaque personne jetait un pont vers l'autre, en fait. Et je disais, ah oui, mais en fait, ok, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est ça. Et vraiment, et vous pouvez le vivre dans pas mal de dialogues, il y a de dialogues de qualité autour de vous dans votre quotidien. Et vraiment, en médiation, il y a vraiment cette bascule du oui, mais vers autre chose, en fait. Anne-Claire? C'est clair. Oui, merci beaucoup pour ces éclairages. On est deux ici à être formés en ce moment au CMFM, au Centre de médiation et de formation par la médiation. Et on se retrouve, je pense, toutes deux sur pas mal de fondamentaux qui sont présentés là. Mais c'est vrai qu'on est dans une formation qui est très expérientielle et qu'on pratique à chaque fois la médiation. Et
on le vit du coup sur des cas qui nous concernent nous, et on se rend compte que les fondamentaux de l'approche de la médiation humaniste telle qu'ils sont présentés au CMMFM nous amènent à nous arrêter à la ce qui est qualifié là dans votre présentation à la reconnaissance réciproque pour laisser entièrement les parties responsables de l'issue qu'elles trouveront. Et on ne va pas du tout, en tout cas tel qu'on le vit pour l'instant et tel que ça nous est présenté dans la catharsis, dans l'accompagnement à la formulation d'une solution qui serait portée par les parties elles-mêmes, mais en tout cas on ne les aide pas à formuler, on considère que c'est elles-mêmes qui vont cheminer. L'objectif de la catharsis, de la reconnaissance, c'est de leur permettre d'avoir une nouvelle perception de la situation. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter. Voilà, c'était juste un témoignage de ce qu'on expérimente, sachant que ces médiateurs sont aussi en médiation conventionnelle, médiation juridique. Donc, voilà. Ce que vous voulez dire, Claire, c'est que vous arrêtez la médiation à partir du moment où il y a la reconnaissance, Anne-Claire, pardon, à partir du moment où il y a la reconnaissance réciproque, c'est ça? C'est-à-dire que vous C'est-à-dire ne. qu'on arrive à une conclusion à partir du moment où on sent qu'on a touché les valeurs intrinsèques qui animent les personnes, qu'elles ont réussi à mettre des mots elles-mêmes, à s'entendre dire les touchait profondément, à entendre aussi l'autre. On se lance parce qu'on le sent à faire une conclusion qui montre que les valeurs, finalement, sont des choses qui peuvent se retrouver et réunir les personnes ou se compléter et que ça ouvre la possibilité d'un chemin. Qu'on laisse les personnes finalement ensuite maturer elles-mêmes, croître dans cet champ des possibles que vous avez mentionné, je ne sais plus exactement comment, mais et on ne va pas jusqu'à les accompagner, d'en formaliser. Voilà, c'est tout. D'accord. Merci pour ce témoignage. Claire, je crois que c'était toi qui évoquais cette Alors, slide. oui, c'est juste que du coup, peut-être apporter quelques éléments à Anne-Claire et après je vois que Françoise voudrait intervenir. Oui. Anne-Claire, ce que je comprends, c'est que en fait, c'est comme si du coup, le premier test de comment ça va marcher après, c'est justement grâce à cette période-là, en fait, vous plongez les gens dans la situation tout de suite de faire eux-mêmes comme si le médiateur n'était pas là. C'est un peu ça l'intention. J'ai jamais testé, mais je trouve ça pas bête. En tout cas, dans certaines situations, ça va pouvoir fonctionner sans souci. Et vous, vous l'avez vécu? Oui, on le vit à chaque fois sur des situations qu'on amène, mais c'est-à-dire que le temps de la médiation ne va pas jusqu'à ce cheminement d'une suite concrète. C'est-à-dire, par exemple, un couple, est-ce qu'il va se séparer ou est-ce qu'il va tenter quelque chose? Ça ne nous regarde pas, c'est pas dans cet espace-là. On les laisse repartir une fois qu'on a senti qu'on avait été jusqu'au bout et on les laisse responsables de la suite. On les disponible, si j'ai bien compris, le médiateur reste. Les comédiateurs restent disponibles s'il y a besoin d'un suivi, mais voilà, il n'y a presque pas de responsabilité du tout sur l'issue ensuite. Est-ce Qu'en En tout cas, je pense que là pensez-vous? où on se rejoint, c'est que de toute façon, le médiateur n'a pas de responsabilité et n'a pas d'obligation de résultat sur l'issue et sur la suite. Peut-être la différence entre ce dont vous parlez et ce qu'on évoque là, c'est que nous, on poursuit dans la méthode là la roue jusqu'au bout, c'est-à-dire que on va jusqu'à ce que les personnes puissent elles-mêmes, c'est pas nous qui suggérons les solutions évidemment, mais puissent elles-mêmes, parce que souvent elles sont désireuses pour ça, et d'ailleurs souvent on se revoit pour ça, parce que toute la première partie jusqu'à la reconnaissance réciproque prend du temps. Eh bien, on se revoit pour qu'elles puissent voilà, trouver ensemble une manière de refonctionner. Oui. Je vois que le temps passe, on va passer la parole à Françoise, qui avait une Oui. question. Oui, je vais revenir sur le slide précédent. Je suis française, mais je suis en Belgique depuis 18 ans maintenant. Et c'est en Belgique que je me suis formée à la médiation en reconversion professionnelle. Et donc, c'est la première fois que j'entends les termes chronos, kairos, faire séparation. J'ai dû rater quelque chose, j'ai pas bien suivi. Est-ce que vous pouvez juste me redire ce que c'est le kairos? Le chrono, j'ai noté, mais kairos, faire séparation. C'est deux Oui, choses. alors, Oui. je vais le redire rapidement. Donc, c'est deux conceptions du temps, hein, le chronos et le kairos. C'est le temps linéaire, le chronos, le temps qui s'écoule. Et le kairos, c'est ce qui se passe à un moment clé
C'est ce qui, tout d'un coup, fait, ça peut être un effet de surprise, ça peut être ce qui, un moment décisif. Et c'est ça, la reconnaissance réciproque. Ça participe du kairos, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser passer, parce que c'est parfois très fugitif, mais qui permet d'ouvrir les champs, en fait, hein, qui permet à chaque personne de se sentir reconnue dans ce qu'elle vit, même si l'autre n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire, le kairos, que tout le monde tombe d'accord ensemble en médiation. Mais c'est que chacune se sent entendue. Et moi, je peux considérer que Claire a son bien fondé, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais je peux entendre que son bien fondé à elle, c'est qu'elle reproduit les méthodes qu'elle a toujours utilisées jusqu'à maintenant parce que ça la rassure et que du coup elle croyait vraiment bien faire dans sa manière de travailler et que quelque part c'était pour satisfaire mes attentes en tant que sa manager qu'elle faisait comme ça et que c'était pas du tout parce que en fait elle était vent debout contre ma façon de travailler à moi. Enfin, vous voyez, c'est ça ce qu'on leur fait comprendre à la reconnaissance réciproque. Et faire séparation, ça veut dire qu'il y a une espèce de glue dans le conflit, c'est-à-dire que vous assignez une personne, celle avec qui vous êtes en conflit, dans un positionnement, l'autre pour vous est l'ennemi. C'est même plus un problème. La personne devient le problème. Le problème, c'est la personne. Voilà. Et vous l'assignez dans un rôle. Et faire séparation, c'est que en médiation, vous allez comprendre qu'en fait, cette intention que vous lui avez prêtée, bah, c'était peut-être pas ça. Que si Nathalie demande tous les soirs à Claire si elle a fini son rapport, c'est pas parce qu'elle veut lui mettre la pression, c'est parce qu'elle-même est très inquiète du fait que son propre chef lui met la pression aussi sur quelque chose qu'elle devait rendre déjà la semaine dernière et qu'elle a toujours pas. Vous voyez, c'est ça en fait. Faire séparation, c'est faire comprendre à la personne qu'il y a une différence entre les prêts d'intention qu'elle avait et est-ce que l'autre personne voulait vraiment donner à voir ou à dire. Voilà. Et quand on vous écoute, moi je fais la familiale, je m'intéresse seulement à la médiation sociale, je ne suis pas encore formée, mais en familiale, moi j'ai l'habitude de reformuler ce que l'un a dit pour le faire entendre à l'autre. Est-ce que c'est ce que, parce que je ne, tel qu'on vous écoute, on a l'impression que les médias parlent et puis un va entendre ce que l'autre a dit, mais le médiateur intervient quand même Oui. formuler. Il y a beaucoup de. Enfin, j'ai envie de dire qu'il y a des écoles différentes par rapport à ça. Il y a des médiateurs qui reformulent énormément. Il y a des médiateurs qui reformulent pas du tout, qui peut-être ne vont rien exprimer pendant la médiation. Juste un mot, peut-être à un moment, ils vont dire par exemple c'est difficile pendant 3 heures. Voilà. Peut-être ça, c'est d'autres approches de médiation que celles qu'on pratique nous, parce que nous, on est dans la médiation intégrative et celle-ci, c'est plutôt la médiation transformative. Enfin, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Moi, ce que je pense, c'est que c'est important de reformuler, parce qu'on est là pour faire entendre ce qui se passe à l'autre, qui n'écoute pas de toute façon, qui ne s'écoute pas. Ils écoutent le médiateur dans un premier temps, mais ils ne s'écoutent pas. Donc, c'est important de reformuler, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus en reformulant qu'on consolide le récit. D'une personne qui a de toute façon son récit bien élaboré, complètement construit, dans son biais cognitif de perception des choses de façon tout à fait sélective. Donc je pense que c'est important de reformuler pour porter la parole de l'un à l'autre, pour rassurer la personne sur le fait qu'elle est entendue, je l'ai entendue, l'autre l'a entendue, voilà. Mais en sachant doser la reformulation pour ne pas rendre les choses encore plus, pour ne pas solidifier, pour ne pas rendre encore plus robuste le bien fondé de chacun, quoi. Voilà, ça c'est OK. façon de le voir. Merci. Alors, de rien. Donc, Claire. Oui, donc on vous le disait tout à l'heure, hein, en fait, du coup, pour que ça fonctionne, il y a vraiment des étapes à passer. Et le temps qui passe est effectivement aussi un facteur de maturation des personnes. Il ne faut pas que ce soit trop long, mais il ne faut pas que ce soit trop court. Par exemple, donc on vous a dit, première étape, une fois que la médiation est quelque part décidée, le médiateur, en tout cas, contacte les personnes et explique. Prends le temps, en tout cas, d'échanger avec chaque personne sur ce que c'est la médiation, prendre le temps d'entendre les questions, les doutes, etc. Et ça ouvre sur un entretien individuel. Alors, dans certaines pratiques de médiation, c'est deux rendez-vous séparés, différents, un rendez-vous d'information et un entretien réel. Dans d'autres, c'est en gros la même occasion et les deux s'entremêlent. Bref, il y a des pluralités aussi de situations et de formations, tout bêtement. Mais vraiment, la première étape, elle est individuelle pour chaque personne. Et après cette étape-là, moi, je recommande
pas d'enchaîner sur une rencontre tout de suite après entre les deux personnes. Même si vous avez l'impression que ça va gagner du temps, que du coup, à la fin de la journée, c'est fait, ça marchera sans doute pas parce que c'est très éprouvant. Donc déjà, cet entretien va être un peu éprouvant pour la personne. Ça la pousse quand même à essayer de mettre des mots sur ce qu'elle vit. Et en fait, à la fin de cet entretien, la personne, elle a énormément vu, enfin, elle a retravaillé la situation dans sa tête, elle s'est posé aussi des questions, elle commence à percevoir que peut-être il y a d'autres manières de voir la situation, que peut-être elle est en partie co-responsable de ce qui s'est passé, et peut-être aussi elle est co-responsable de ce qui va se passer demain. Donc en fait, elle est en train de réfléchir entre le passé et le futur. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui se jouent à ce moment-là, et sur le plan émotionnel, évidemment, c'est pas facile. Donc, après cet entretien-là avec le médiateur, c'est important que la personne ait un peu le temps de maturer ça. On dort dessus au moins une nuit, voire plusieurs jours, c'est très bien. Pas trop attendre parce qu'après, les bénéfices de cette réflexion peuvent repartir à la moindre occasion aussi. Et après cet entretien et ce temps de maturation, il y a une rencontre plénière donc entre les personnes. Et là, c'est là où on va suivre un petit peu la roue de Fiotac que vous a et Nathalie. Avec effectivement quand même un gros intérêt, avec une présence du médiateur en fait qui va varier le long de la rencontre. C'est-à-dire, comme disait Nathalie, au début, les personnes vont peut-être pas s'écouter. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Et souvent non. Et du coup, là, le médiateur est plus présent pour faire en sorte que l'un et l'autre écoutent ce que l'autre a à dire. Et au fur et à mesure de la rencontre, plus ça se passe. Et plus on. Et notamment, pardon, après la reconnaissance réciproque, et le médiateur, tranquillement, va prendre moins de place. Et c'est très bien, justement, pour que les personnes s'emparent vraiment de la situation, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a quand même, même si on est formé, on reste des personnes humaines. Et que plus on est présent et plus on reformule, et plus, à un moment, il y a un risque que nous, on y mette une interprétation, même inconsciemment. Donc, faut pas. Nous, on n'est pas là pour orienter. La manière dont un tel a vécu le truc, la manière dont il peut s'en sortir, surtout pas. Donc en fait, la présence du médiateur, elle est plutôt en décroissance. Et à la fin de la rencontre, et par la suite, l'idée étant justement que les personnes soient totalement co-responsables et autonomes dans ce qu'elles vont faire de leur accord. Donc à la fin, quand je parle d'un accord, c'est que elles peuvent s'entendre en situation sur des pistes pour avancer, voire des solutions complètes. Ce sera. Voilà, peut-être un truc, peut-être deux trucs, par plein de trucs. Elles peuvent s'entendre oralement, mais aussi on va les inviter à réfléchir à la question de savoir si elles voudraient un accord écrit. Et s'il y a un accord écrit, si elles en veulent, on va faire en sorte que ce soit les personnes qui l'écrivent. Dans des formes de médiation administrative ou juridictionnelle, de manière générale, ça peut être à ce moment-là que les avocats prennent la main pour rédiger. Hein. Mais il n'empêche qu'il y a cette idée qu'à la fin de la médiation, il y a une forme d'accord. Et ça a lieu à peu près dans 8 cas sur 10, en fait, notamment dans le monde du boulot ou dans le monde du voisinage. Ça Quelque peut être un part, il y accord a. écrit, pardon, Claire, je complète là-dessus, ou oral. Ça peut aussi, ça peut qu'il n'y ait pas d'accord, mais dans tous les cas, il y a les lignes qui bougent, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe des choses ensuite dues à ce dialogue authentique, voilà, qui a été rendu possible par l'espace de médiation. Et donc, même quand on n'est pas dans les 8 cas sur 10, il y a quelque chose qui se passe après la Et le médiation. premier truc qui va se passer, ça va être l'écoute. Et chaque personne, le fait même d'avoir été entendue et pleinement écoutée, déjà en soi, même si elle refuse même la rencontre plénière après avec l'autre, déjà ça bougeait des choses pour la personne. Parce qu'une personne qui vivait une situation où elle manquait de considération, par exemple, où elle ne se sentait pas comprise, ça va déjà changer des choses pour elle. Ce qui est Peut-être que je vais important aller. aussi, Oui. je voudrais juste souligner quelque chose d'important, c'est que, notamment à destination des acteurs RH ou en entreprise, c'est que la médiation, ce n'est pas de l'intermédiation. C'est-à-dire que parfois, moi, j'ai des personnes qui me disent bah, j'ai essayé de faire de la médiation et ça n'a pas marché. Alors, moi, j'ai été DRH et je fais bien la différence entre l'intermédiation et la médiation. C'est-à-dire que l'intermédiation. Évidemment que c'est le rôle aussi, et c'est même le premier rôle des acteurs de l'entreprise, d'essayer d'adresser le conflit et de réunir les personnes, de faire que peut-être elles puissent se parler.
En revanche, ça n'est pas de la médiation parce que d'abord, on est formé à la médiation, on ne l'est pas. Donc, il y a une technicité particulière qu'on n'a pas quand on est DRH si on n'est pas formé ou manager ou voilà. Et ensuite, parce que les personnes ne vous perçoivent pas du tout comme un tiers extérieur, indépendant, neutre et impartial. Donc, bien sûr que c'est important et c'est même indispensable que les acteurs de l'organisation puissent d'abord faire une première forme de régulation managériale par rapport au conflit, parce que la médiation, ce n'est pas magique, et que nous, on ne peut pas être appelés là, comme je dis souvent, comme Merlin l'Enchanteur ou la fée Clochette, je veux dire, comme si on allait résoudre les choses parce qu'on arrive, pas du tout. La première question qu'on pose en général à nos commanditaires, c'est qu'est-ce qui a déjà été fait? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Parce que on a besoin de cette complémentarité. Et on ne fait pas sans les autres acteurs, on ne fait pas contre les autres acteurs, on fait avec les autres acteurs de l'organisation. Et c'est important aussi qu'on soit perçu comme ça, et non pas comme les personnes qui intervenons parce que les managers n'ont pas su faire, ou parce que... voilà, et ça pourrait être la perception si on ne l'expliquait pas, si ça n'était pas expliqué en interne aussi dans une entreprise qui fait appel à la médiation, ça pourrait être la perception. Qu'est-ce que c'est que ce tiers qui vient là? Pourquoi il réussirait mieux que moi? Ben, c'est simplement de se dire qu'en fait, il y a... La réponse singulière, en fait, la réponse singulière au conflit relationnel dans une entreprise, bah, ça s'appelle la médiation. Et je dis souvent, la réponse singulière au développement des compétences, ça s'appelle la formation. Et personne n'a l'impression que c'est quelque chose d'iconoclaste ou de problématique. Eh bien, de la même manière, la réponse singulière pour les conflits, c'est la médiation. C'est une technique, voilà, une technicité qui s'appelle la médiation. Passer à la diapo suivante, et justement, on peut avoir d'autant plus ce sentiment qu'il y a la confidentialité dans l'affaire. Et j'en viens peut-être, sauf si tu avais prévu de le dire, Nathalie, sur qu'est-ce qu'on fait de l'accord dans ce cadre de confidentialité. Quand deux personnes dans l'entreprise ont formalisé un accord ou sont d'accord sur les trucs, et que dans l'accord, il y a des points qu'elles souhaitent partager avec leur supérieur hiérarchique ou avec leur RH, c'est possible. Mais il faut que chaque personne soit d'accord sur qu'est-ce qui est partagé, avec qui, dans quel cadre, pourquoi faire. Et là, il y a une rupture convenue de confidentialité. Vas-y, Nathalie. Aujourd'hui, ça se développe beaucoup, hein, la médiation, moins que dans d'autres pays, notamment je pense au Québec ou même en Belgique ou dans les pays anglo-saxons, voilà. Mais ça se développe aussi en France de plus en plus. La Semaine internationale de la médiation est là chaque année pour essayer de faire connaître, alors pas seulement pendant la Semaine de la médiation, mais en tout cas, on essaye de plus en plus d'asseoir la légitimité de la médiation sur tout le territoire et dans tous les domaines. Nous, là, aujourd'hui, on parle de médiation dans les relations de travail, mais ça a été évoqué tout à l'heure, il y a aussi la médiation familiale, il y a la médiation sociale, il y a la médiation scolaire, la médiation de voisinage, la médiation pénale, enfin voilà, elle se développe dans plein d'orientations. Et en entreprise, donc il y a de plus en plus de prescripteurs. Les prescripteurs, c'est ceux qui demandent une médiation portant la responsabilité employeur. Donc ça peut être des DRH, des managers, des chefs d'entreprise, des membres du CSE, des médecins du travail aussi également. Et pourquoi est-ce qu'ils font appel à la médiation? Eh bien, de par l'article 41-21 du Code du travail, qui est que l'employeur porte la responsabilité de la sécurité physique et mentale et de la protection des salariés. Et que des arrêts de la Cour de cassation considèrent que un employeur qui laisse s'installer durablement une situation conflictuelle manque à ses obligations contractuelles. Et inversement, il y a des arrêts qui disent aussi que le fait d'avoir fait appel à la médiation est une manière pour l'employeur de satisfaire à ses obligations contractuelles. Et donc, faire face à son obligation, assurer l'obligation employeur, mettre fin aux coûts du conflit qui sont très nombreux. Parce qu'on pense souvent aux coûts, ou alors on n'y pense pas d'ailleurs, mais en tout cas on les subit, les coûts directs, c'est-à-dire la masse salariale de toutes les personnes qui passent beaucoup, beaucoup de temps à s'occuper du conflit, le remplacement des salariés concernés, le remplacement des salariés absents, les coûts de judiciarisation, l'absentéisme, les arrêts maladie, etc., etc. C'est les coûts directs. Et puis les coûts indirects qui pour moi sont au moins aussi sensibles, qui sont le désengagement, le désinvestissement des personnes, le temps de rumination. Voilà, j'avais lu qu'on passe au moins 30% de sa journée de travail à ruminer sur son conflit et on y passe peut-être 100% de sa nuit aussi dans certains cas. Donc voilà, tous ces coûts indirects qui affectent la qualité du travail aussi et l'engagement des salariés.
Et puis aussi l'image de l'entreprise, la réputation de l'entreprise, les risques de turnover, etc., etc. Et voilà, et donc la médiation, vous avez compris, peut apaiser des situations, c'est-à-dire rendre possible à nouveau une collaboration. Ça ne veut pas dire que la confiance renaît comme ça en un instant, mais en tout cas, ça crée les conditions pour que la confiance se rétablisse petit à petit. Ça peut aussi, comme on le disait, accélérer des décisions de séparation, mais posées, déconflictualisées. Et puis aussi, il faut avoir en tête que la médiation, ce n'est pas que curatif quand le torchon brûle, c'est-à-dire que ça peut aussi être préventif, la médiation, c'est-à-dire on commence à sentir qu'il y a des grains de sable dans les rouages et que les communications sont moins fluides, les relations sont moins, voilà, moins transparentes, moins agiles. Et par exemple, dans la gestion de projets ou dans des grands projets de transformation, dans des restructurations. Voilà. Et donc, bien avoir en tête que, j'appelle ça la facilitation relationnelle. D'ailleurs, la médiation peut être aussi préventive et pas forcément une fois que le conflit est très, très, très installé. Nathalie, j'ai vu des questions dans le chat. Et comme tu as dit, je crois, le principal de ce que tu avais prévu de Vous dire, avez fini. est-ce que ça te va si on répond d'abord aux questions? Oui, absolument. Alors, il y a une demande sur le texte réglementaire dont tu viens de parler. Est-ce que tu peux l'écrire dans le chat? Et sur le Oui. coaching, alors il y a plusieurs différences entre le coaching et la médiation. Vous allez peut-être m'aider parce qu'il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui sont coachs. Donc, n'hésitez pas à compléter. Quelques idées néanmoins. Dans le coaching, si c'est un coaching individuel, il n'y a pas la rencontre avec l'autre personne. Donc, il n'y a pas cette explication mutuelle et cette reconnaissance réciproque possible, etc., etc. Donc, le coaching peut répondre à une partie de l'enjeu lié à, par exemple, un malaise de la personne ou en tout cas avec un objectif aussi de monter en compétence en fait. Le coaching, c'est pour renforcer une personne. Et ce n'est pas une intention qu'on a dans la médiation, si ce n'est éventuellement de renforcer sa capacité demain à répondre à d'autres situations tendues qu'elle pourra vivre. Il y a aussi un timing, je pense, qui est différent. Vraiment, la médiation, quand elle n'est pas même si elle est en préventif, pardon, j'allais dire une bêtise, la médiation, elle va se tenir à la fois pour apaiser la relation et résoudre une situation. Une fois que c'est fait, c'est fait. Le coaching, ça peut durer en fonction des objectifs et de l'évolution en fait de la personne. Quelqu'un veut compléter peut-être? Peut-être, oui, merci Claire. Moi, je suis médiatrice et aussi coach. J'ai envie de dire qu'on est appelé pour un coaching, pour un développement spécifique, avec des objectifs qu'on va fixer, développement des compétences, etc. Des objectifs professionnels vraiment très précis. Et dedans, il se trouve qu'il y aura peut-être des moments où on va voir que la personne est en conflit avec d'autres, etc. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Alors que quand on est en médiation, on est appelé vraiment pour un conflit. Alors que dans le coaching, c'est pas ça. En revanche, il faut toujours prendre le temps au départ de regarder, mais de quoi on nous parle? Est-ce qu'on nous parle d'équipes qui vont pas bien ensemble? Et dans ces cas-là, est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est de la médiation? On va chercher. Mais c'est surtout que dans le coaching, on n'est pas appelé pour du conflit. On est appelé pour autre chose. Merci Frédéric. Il nous reste 1 minute. Est-ce que vous avez des questions? Au moins qu'on prenne les questions, quitte à voir comment est-ce qu'on y répond par la suite. Pardon, j'ai répondu à la question sur la jurisprudence citée par l'article 41-21 du Code du travail, mais en fait, ce que demande Amandine, ce n'était pas ça, c'est les arrêts de la Cour de cassation en particulier. Et je ne les ai pas, j'ai pas en tête là, mais Amandine, je peux te les envoyer après le webinaire. En 2 phrases max. Je vous entends pas. Françoise, ta main est levée, mais est-ce que. Oui, en fait, je ne connais pas grand-chose au coaching, mais est-ce qu'il y a une obligation de résultat? Ce que nous, on n'a pas comme média, en tant que médiateur, mais est-ce que le coach a une obligation de résultat? On Karine va va prendre la répondre. question de Anne-Claire peut-être aussi. Anne-Claire, je ne vous J'étais en entends train de pas. réécrire comment un salarié subordonné, donc la partie la plus subordonnée du conflit, peut-il de son propre chef ou pas proposer, suggérer une médiation? Parce que et Alors la ça, sécuriser aussi, c'est effectivement une question qu'on se posait, si effectivement il y a un contentieux, dans quelle mesure peut-on être sûr
de la confidentialité des éléments qui auront été partagés dans ce cadre si l'employeur, enfin, s'il y a un conflit vis-à-vis l'employeur in fine. Alors, par rapport au fait qu'un salarié puisse proposer une médiation, il y a des. Donc, on parle de médiation interne, là, en fait, plutôt. Et il y a des dispositifs différents selon les organisations. Il y a une trentaine d'entreprises maintenant qui font partie d'ailleurs du club des médiateurs internes qui ont un dispositif de médiation interne. Et parfois, la saisine peut se faire directement par les personnes. C'est le cas à la poste, par exemple. Des personnes peuvent directement saisir la saisine, enfin, la cellule médiation où les médiateurs internes ont des postes, hein, ils sont à temps plein. À la SNCF, par exemple, le dispositif que moi j'ai vécu, c'est différent. La médiation fait toujours l'objet d'une demande de la part d'un responsable ressources humaines ou d'un manager. Alors, évidemment, parce qu'il constate qu'il y a des difficultés entre deux personnes ou parce qu'une des personnes va lui en parler. Ou, voilà. Mais ça ne passe pas directement par les personnes elles-mêmes. Et les médiateurs, d'ailleurs, au passage, sont en mission. Ils n'ont pas un poste de médiateur, mais ils sont en mission en plus de leur poste. Voilà. Donc, il y a des organisations qui diffèrent. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ah oui, la confidentialité. En fait, parfois les personnes disent oui, alors la confidentialité, bof, hein, moi j'ai un peu peur de représailles quand même, je ne suis pas sûre qu'elle va être respectée. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une décision volontaire de venir en médiation et personne n'est obligé d'y venir. Une personne qui, après l'entretien individuel, dit moi je m'arrête là, eh bien, on arrête là, on travaille avec elle, évidemment, la décision qu'elle prend, mais si pour elle ça fait sens de ne pas y aller, on n'y va pas. En revanche, si une personne vient en médiation, c'est qu'elle en accepte pleinement les règles, toutes les règles, le respect, l'écoute et la confidentialité. Voilà. Et dans mon expérience, alors peut-être je ne sais pas tout, peut-être je n'ai pas été mise au courant de tout, mais je n'ai pas eu de retour de problématiques dans une entreprise, association, collectivité, enfin, ou que je sois intervenue, liée à une rupture de confidentialité. On peut même le voir inversement, où un salarié, un subordonné qui demande une médiation, il aurait pu activer des dispositifs harcèlement, machin truc, qui sont quand même vachement plus impactants potentiellement pour le hiérarchique qu'une médiation. C'est-à-dire que commencer par une médiation, c'est quand même la version douce et coopérative en fait. Il est 14h03, si on veut respecter le timing, on va peut-être s'arrêter et vous remercier beaucoup d'avoir pris voilà, ce temps de déjeuner pour être avec nous, pour partager avec nous voilà, autour de la médiation. On espère que ça vous a plu. Et voilà, et du coup, Merci on va vous Isabelle. souhaiter une bonne continuation. Claire, le mot de Merci. la fin? Non, c'était juste un merci Isabelle qui a répondu dans le chat, etc. Donc, ouais. Ok. Bah, merci à Merci. tous, alors à toutes, et peut-être à une autre fois. Oui, au plaisir. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. C'était très concret et intéressant. Merci. Au revoir. Revoir.